Je n'ai jamais été super fan de la loi de Moore. En fait, on ne devrait même pas parler de loi de Moore, mais de conjecture de Moore, puisque ça n'a absolument rien d'une loi. C'est simplement une conjecture qui, par la force des choses, s'est vérifiée depuis maintenant 50 ans, mais qui commence néanmoins à montrer ses limites. La conjecture de Moore. Pour ceux qui dormaient au fond de la classe ces 50 dernières années, c'est tout simplement la prédiction du fait que le nombre de transistors moyens dans un microprocesseur double tous les 2 ans. Alors, rapidement, un transistor, c'est un composant électronique qui sert d'interrupteur contrôlé par du courant. C'est un bouton sur lequel c'est le courant qui sert de doigt pour laisser ou pas passer un autre courant. Le truc, c'est que mis ensemble, les transistors permettent de faire des opérations logiques, et ou non. Et avec ces opérations logiques, on peut faire les opérations mathématiques. Plus, moins, fois, divisé et modulo. Donc, en gros, les transistors servent de base à tous les systèmes informatiques. Et globalement, plus vous en avez, plus vous pouvez aller vite. Alors ces explications, c'est à peu près. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Cependant, ce qui est vrai, c'est que le nombre de transistors depuis les premiers microprocesseurs a bel et bien suivi une augmentation constante, 1 fois 2 pour le même espace tous les 2 ans. Alors, cette loi, ça ne suit aucune loi physique. Il n'y a rien de concret, rien de mathématique derrière tout ça, c'est purement empirique. C'est pour ça qu'il faut plus parler de conjecture. C'est juste que Gordon Moore, cofondateur d'Intel, l'avait remarqué dans les années 60 et avait décidé de le formaliser. Et étrangement, cette conjecture s'est avérée presque exacte pendant au moins 30 ans. Le nombre de transistors a bel et bien doublé tous les 2 ans, de 71 à 2001. Je pense tout simplement qu'il s'agit d'une interaction mutuelle. Le grand public ayant rapidement pris connaissance de cette loi, l'industrie a essayé de pas mal se caler dessus pour sa feuille de route générale. C'est surtout marketing en fait. Bien sûr, cela a tendance à se vérifier de moins en moins. Le nombre de transistors dans un espace donné ne fait pas tout. Parce que plus vous en mettez, plus ça consomme de l'énergie. Et plus ça consomme de l'énergie, plus ça chauffe. Par exemple, le premier Pentium d'Intel tournait sous 5 volts. Sauf que si vous essayez de mettre du 5 volts sur un processeur de maintenant, eh ben il va fondre instantanément, tellement la diffusion de chaleur sera importante. Mais il n'y a pas que ce problème. Il y a aussi le problème des aberrations quantiques qui apparaissent lorsque l'on arrive dans des dimensions trop petites. Actuellement, les processeurs sont gravés en moyenne en 10 nanomètres. On est resté presque 4 ans en 14 nanomètres et les constructeurs et fondeurs commencent à vraiment galérer pour prendre des processeurs tournant avec du 7 nanomètres ou moins. Tout simplement parce que le quadrillage structurel qui maintient les transistors fait lui moins de 4 nanomètres pour une structure à 10 nanomètres, soit moins de 40 atomes de silicium entre chaque transistor. C'est vraiment pas assez. À ce niveau-là d'échelle, la physique classique ne fonctionne plus vraiment et on se retrouve avec de la mécanique quantique, qui ne fonctionne pas du tout pareil. Du coup, les électrons qui composent le courant ont tendance à traverser les murs trop fins par effet tunnel, ce qui provoque des aberrations et des transistors qui fonctionnent mal. Donc, en gros, plus on avance, plus on réduit la taille des transistors pour en mettre plus sur un même espace, parce que si on agrandit l'espace, ben ça chauffe trop et ça crame. Sauf qu'en faisant ça, on commence aussi à se heurter à une limite physique, ce qui met salement un frein à cette fameuse loi de Moore. Mais alors, me direz-vous, pourquoi j'ai jamais été très fan de cette loi? Ben tout simplement parce que autant ça sert de carotte pour créer des processeurs plus puissants plus rapidement, autant ça sert aussi d'excuse de gros sac pour programmer comme un pied. Ben oui, si tous les 2 ans la puissance des processeurs moyens grand public s'élève d'au moins 20%, pourquoi se faire chier à optimiser son code de manière à ce qu'il tourne 20% plus vite? Rigoler, mais c'est tout de même une logique malheureusement assez présente dans l'industrie. Et en même temps, ça peut se comprendre. Faire un jeu vidéo, c'est super complexe. Surtout quand on parle de AAA avec des nouvelles technologies de gros malades utilisées pour faire le nouvel open world dernière génération avec des couilles de chevaux qui changent de taille selon la température. Un jeu de cette envergure, c'est forcément un gros fatras en interne. C'est plein de petits modules qui interagissent entre eux pour former un moteur de jeu. Sauf qu'un moteur faisant tourner des jeux aussi gros que Star Citizen ou Red Dead 2, c'est des dizaines de milliers de lignes de code plus ou moins bien écrites. Et mettre sa tête là-dedans, ben c'est la migraine assurée. Mais il faut le faire, et tous les développeurs le font. Si on vous filait un jeu tel quel avant la chasse au bug final, ça serait un jeu tournant à 5 FPS sur une machine de guerre et qui crache toutes les 5 minutes. Sauf que c'est clairement la partie la moins drôle du développement d'un jeu. Normalement, cela se fait au fur et à mesure du dev, mais généralement, le temps alloué à l'optimisation est très faible, parce que les types qui gèrent le budget ne considèrent pas que ça crée de la valeur, mais aussi parce que c'est super chiant à faire, on va pas se le cacher. Ou en tout cas, j'ai jamais croisé qui que ce soit qui se targuait d'aimer reprendre son code pour l'optimiser. Si la plupart du temps, les éditeurs se disent qu'effectivement, vaut mieux sortir un jeu sans bug, parce qu'un bug, ça se voit comme le nez au milieu du visage,
ils sont beaucoup plus rares à considérer à allouer vraiment du temps pour l'optimisation, sauf quand ça rentre explicitement dans le cahier des charges du jeu. Par exemple, Overwatch devait être le plus vendu possible pour pouvoir concurrencer Counter-Strike, donc ça devait tourner correctement même sur une patate. No Man's Sky, lui, devait être optimisé, mais surtout pour que le jeu puisse être jouable. Les technoplanétaires étant au cœur du jeu, il ne fallait pas les laisser en plan. Mais généralement, ces dernières années, la partie optimisation est plutôt réduite au strict minimum. La cible, c'est 60 FPS en moyenne sur console, drop accepté, et sur PC, les FPS suffisants pour pas avoir les influenceurs sur le dos, et puis c'est marre. Mais regardez, même les devs d'Anthem, ils l'ont avoué noir sur blanc dans un tweet. Le jeu tournerait à 30 FPS à la sortie sur tous les supports, et l'optimisation, ils ont dit littéralement que ça serait peut-être plus tard. Mais pour moi, le jeu, il sort littéralement dans un mois, jour pour jour. C'est maintenant que l'optimisation devrait se faire, pas plus tard. Et pas peut-être, elle devrait être là, on devrait avoir du 60 FPS sur Anthem. C'était moins vrai sur les générations précédentes de consoles. Le hardware était bien moins puissant, donc il fallait redoubler d'ingéniosité pour faire que son jeu tourne correctement. Et comme Internet n'était pas dans tous les foyers, il fallait sortir son jeu sans bug puisqu'on pouvait pas le mettre à jour. Sauf que grâce à la conjecture de Moore et à l'explosion de la puissance de calcul, les devs se sont mis dans la routine du « bof, ça sera mieux avec la génération de processeurs suivante, c'est pas grave ». Et c'est comme ça qu'on en arrive à des semi-générations de consoles plus puissantes. Les avancées sur les processeurs sont telles que les constructeurs peuvent se permettre de sortir des consoles plus, pro, etc. Mais derrière, ça entraîne une mauvaise habitude pour les développeurs, qui est de se reposer sur le hardware plus puissant qui va sortir pour gagner les FPS qu'ils n'ont pas pris le temps d'aller chercher dans leur code. En même temps, je leur jette pas la pierre, vu que ces dernières années le gain était exponentiel, personnellement, j'aurais sans doute fait pareil à leur place. Et il ne faut pas non plus oublier que les techniciens sont rarement décisionnaires dans ce genre de cas. N'oubliez pas non plus que la situation présentée ici est assez caricaturale. Les performances d'un jeu ne se résument pas qu'à la puissance d'un processeur et à la qualité du code. C'est un peu plus complexe que ça. Sauf qu'évidemment, tout ça va un petit peu coincer dans quelques années lorsque le gain de puissance ne sera plus assuré par la conjecture de Moore qui va se casser la gueule à cause des limites physiques. Mais avec l'inertie assez lente de l'industrie du jeu vidéo, on risque très clairement d'avoir pas mal de jeux trop demandants en puissance, se reposant sur une augmentation physique qui n'arrivera pas. Étant donné qu'il a fallu quelques années pour que les éditeurs se rendent compte qu'ils pouvaient utiliser l'amélioration physique pour combler quelques lacunes, croyez-moi, il va falloir quelques pots cassés avant qu'ils se rendent compte que, ben, ça sera plus possible. En fait, je pense que la période faste de l'évolution du jeu vidéo commence à toucher à sa fin. Par exemple, le ray tracing sur les cartes graphiques grand public d'aujourd'hui, même si c'est assez embryonnaire, cela n'existe réellement que parce que le hardware est devenu capable de supporter ce genre de calcul. Et une grande partie des algorithmes faisant tourner les derniers gros jeux ont été théorisés il y a un moment, genre facile 30 ans, mais sont juste devenus possibles en temps réel grâce à la puissance offerte par nos machines. Rien que la 3D, si les Procos n'avaient pas été suffisamment puissants et John Carmack assez habile pour tirer parti de la puissance offerte, on n'aurait jamais eu la 3D temps réel qu'on a maintenant. Sauf que retirer l'évolution du hardware et certains algos balbutiants aujourd'hui n'auront jamais la puissance qu'il faut pour tourner, sauf si on les optimise. Et c'est là le nerf de la guerre. Actuellement, j'ai dit que l'optimisation était un peu le parent pauvre du développement, à quelques exceptions près et une obligation de 60 FPS. Sauf que ça va et ça doit devenir rapidement prioritaire si le hardware ne suit plus, sinon ça va stagner. Et il y a de la marge. Actuellement, il y a plein de moteurs qui sont utilisés par l'industrie. Certains plus puissants que d'autres, certains plus utiles que d'autres selon les cas, mais tous sont composés d'un immense patchwork de modules qui ne demandent qu'à être repris et optimisés. Parce que si on ne peut plus améliorer le matériel, on peut toujours améliorer le code. Alors, jusqu'à un certain point, évidemment, mais plus un système est complexe, plus il a de possibilités d'amélioration. Et il y a peu de choses en informatique plus complexes qu'un jeu vidéo. Oui, d'accord, mais il y a les ordi quantiques qui vont arriver. Oui, mais non. Les ordi quantiques, c'est bien joli, mais c'est tout sauf une bonne idée pour le jeu vidéo. Je sais, moi le premier, les ordinateurs quantiques, ça fait rêver. Tout simplement parce que quand on leur dit quantique, généralement les gens imaginent des ordinateurs de SF, des petits cubes qui projettent des hologrammes et qui résolvent toutes les équations en une fraction de seconde. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Quantique, c'est pas juste un mot miracle que tu poses à côté d'un autre mot pour faire genre. Même si je dois bien avouer, dans certains cas, ça passe bien, notamment dans la fiction. Si on l'isolait complètement, un système quantique régresserait vers des états de matière séparés, qui seraient eux-mêmes enchevêtrés dans des états de leur environnement.
En d'autres termes, l'objet en question serait à la fois en phase et hors phase avec de multiples réalités parallèles. Ah, j'ai dit que ça passait bien, pas que ça avait du sens. Et des fois, c'est carrément dévoyé à des fins malhonnêtes. Et là, je pense à toutes les thérapies New Age débiles qui utilisent les mots comme quantique à la pelle, tout ça pour se donner un genre et faire raquer des pauvres gens crédules. T'as créé le premier congrès de thérapie quantique. Toi, t'es un peu l'ambassadrice de la thérapie quantique en France, parce qu'à la base, t'es bionutritionniste. Dès qu'on parle de physique quantique, on parle du divin. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang d'Einstein? Le nombre d'or du divin, le quantique et depuis la nuit des temps. La physique quantique, la physique normale, je dirais, tu prends une voiture, tu suis le trajet de cette voiture. En physique quantique, la voiture, elle est là. Et puis tout d'un coup, elle est là. Les mathématiques, pour moi, étaient mon cauchemar à l'école. Donc j'ai compris qu'avec les maths, il fallait pas chercher à comprendre. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre des frères Bogdanov sur la pensée de Dieu que je trouve remarquable. Il y a ce côté divin qui est l'intuition. Montrez-moi l'intelligence. C'est où l'intelligence, hein ? Alors qu'en soi, un ordinateur quantique, ce n'est pas si compliqué. Cela fait même un moment qu'on sait en faire et qu'on les améliore. Le concept a été théorisé dans les années 70 et le premier calculateur quantique fonctionnel a été créé en 98. Les ordi quantiques de maintenant sont bien plus performants, mais déjà ils sont extrêmement volumineux, genre 20 mètres cubes pour le plus petit d'entre eux, il faut les refroidir en permanence proche du zéro absolu, les maintenir hors de tout champ magnétique, et le nombre de zéros sur la facture d'électricité est lui aussi très impressionnant. Autant vous dire qu'on est encore très loin de n'avoir ne serait-ce qu'une tour de bureautique pour les marchés publics, alors un portable, je vous en parle même pas. Mais si c'était que ça le problème avec le quantique ? Le problème majeur des calculs quantiques, c'est qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière que nos ordis actuels. Et de ce fait, ils ne sont pas du tout performants dans les mêmes domaines. Un exemple. Pour craquer en brute force une clé RSA 4096 bits avec votre ordi chez vous, il vous faudra environ quelques milliards de milliards d'années. Avec le meilleur supercalculateur existant, vous pourrez éventuellement ramener cette durée à 1 ou 2 milliards d'années. Mais avec un bon ordi quantique, avec un algorithme fait pour son système de réflexion utilisant des qubits, cela pourrait prendre théoriquement pas plus de quelques jours. Sauf qu'à l'inverse, si vous voulez faire tourner le dernier Assassin's Creed chez vous, il va bien tourner. Mais sur un ordi quantique, il n'arrivera sans doute pas à afficher la première image. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il calcule de manière différente. L'informatique quantique n'est pas adaptée à tous les calculs. C'est tout ! On ne peut pas dire qu'un ordi quantique est plus puissant ou moins puissant qu'un ordi classique. Ça n'a pas de sens en fait. Ils sont juste différents pour des utilisations différentes. Même si, dans l'absolu, on pourrait adapter 80 ans d'informatique classique à l'informatique quantique. Mais non seulement c'est pas pour tout de suite, hein, c'est bien plus complexe de faire un algo quantique qu'un algo itératif classique, mais en plus on risque de prendre des années pour atteindre le niveau de performance d'aujourd'hui avec nos bécanes. C'est pas super rentable si vous voulez mon avis. Et un autre gros frein à tout ça, c'est que les calculs quantiques ne sont pas parallélisables, intrinsèquement, ce n'est pas possible. Ce qui est un peu emmerdant en sachant que le jeu vidéo utilise énormément les concepts de parallélisation des calculs. Oui, mais il reste quand même la suprématie quantique, je l'ai vu sur Wikipédia, franchement, suprématie, ça devrait vouloir dire quelque chose, ça veut bien dire que le quantique est plus fort que le pas quantique. Oui, mais encore une fois, non, la suprématie quantique c'est pareil, c'est pas magique. La suprématie quantique, c'est une théorie pour l'instant non vérifiée et même plutôt contredite, comme quoi un ordinateur de 50 qubits, donc quantique, serait plus puissant qu'un ordinateur classique faisant une taille infinie. Sauf que ça a été démenti par une étude d'IBM disant qu'avec des maths de haute volée, la limite était en fait plus élevée que 50 qubits. Et le concept de suprématie quantique ne concerne que la bande passante du système et non pas la puissance de calcul, puisque comme je l'ai dit, cela n'avait pas de sens de les comparer. On en revient toujours au même point, avec un bon algorithme, on peut faire des merveilles, même avec un matos pas super performant. Donc, conclusion, pallier à la loi de Moore avec des ordinateurs quantiques, non. En tout cas, pour le jeu vidéo, non. Désolé pour vos fantasmes, mais ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, pas avant 20 voire 30 ans, et encore. Alors après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une soudaine rupture technologique majeure qui permettrait, pourquoi pas, de graver non plus nos processeurs classiques en nanomètres, mais en picomètres. Ou alors à nos processeurs quantiques d'arriver très vite chez nous, et d'être utilisables sur le jeu vidéo. Mais sauf que là, c'est même plus de l'ordre du possible, c'est de l'ordre de l'hypothèse, sans véritable fondement. Du coup, ben, j'en tiens pas compte ici. Pour conclure, si la fin de la conjecture de Moore va sans doute sonner le glas de notre évolution rapide du jeu vidéo, et que un gain physique via l'informatique quantique n'est pas vraiment à l'ordre du jour, il reste néanmoins pas mal de possibilités.
Mais il va falloir commencer à se sortir les doigts de l'orifice arrière pour commencer à pondre des algos vraiment optimisés. Et c'est possible. En réalité, on est très loin d'avoir exploité à fond le potentiel latent des hardware actuels. Mais si les générations de cartes graphiques et de processeurs commencent à durer non plus 2 ans, mais plus genre 5 ou 6, on va y être obligé. Et même si les constructeurs ne sont plus capables de réduire la taille des puces, ils peuvent toujours jouer sur l'architecture de celle-ci, qui compte tout autant que le nombre de transistors, sinon plus. Il faut aussi comprendre que le nombre de jeux que cela va vraiment impacter est aussi assez limité. Évidemment, la plupart des jeux indés qui forment la plus grande partie des sorties actuelles n'explosent pas votre processeur ou votre carte graphique. À part certains tentant de faire de nouvelles expériences utilisant des nouveaux systèmes de jeux très gourmands en ressources, beaucoup ne sollicitent pas à fond votre matériel, utilisant plus le cel shading ou les formes épurées. Par contre, pour les AAA des grosses boîtes où le mot d'ordre c'est « toujours plus gros, toujours plus beau », ça risque d'être un poil plus compliqué. Même si, bien sûr, ce sont les boîtes avec le plus de moyens, donc ça ne devrait pas être trop difficile de passer plus de temps sur de l'optimisation de titres, à partir du moment où ils se rendent compte que c'est nécessaire. Par contre, il est fort possible que cela mette un gros frein aux jeux annuels exploitant à fond les hardware. Déjà qu'ils sont plutôt décriés pour le peu d'évolution proposée entre chaque année, mais si en plus techniquement ça n'avance pas, ça risque d'être le gros flop. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la mort non plus. C'est pas parce que l'évolution sera moins rapide qu'elle n'existera pas. Il faudra juste se tourner vers des aspects techniques ignorés délibérément jusque-là. Ça sera sans doute moins spectaculaire et rapide que ce qu'on a eu ces 20 dernières années, mais ça sera présent quand même. Et puis n'oublions pas, le jeu vidéo c'est pas juste des graphismes ou des aspects techniques dingues, c'est avant tout un bon gameplay. Et ça, c'est quasiment indépendant de la puissance de la machine. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus le sujet, je vous ai laissé quelques liens en description, notamment un lien vers une très bonne vidéo de Science Étonnante sur les ordinateurs quantiques. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai changé de décor, et la qualité visuelle est normalement bien meilleure qu'avant. J'espère que ces changements vous plaisent, et moi de mon côté, je vais continuer à explorer les possibilités offertes par ce nouveau matériel. D'ailleurs, si vous avez 30 secondes ou quelques sous de côté, n'hésitez pas à passer sur mon Utip. L'argent récolté par ce biais sert uniquement à améliorer la qualité visuelle de la chaîne. Enfin, pour l'instant, il va surtout servir à rembourser ce que j'ai dû sortir pour ce nouveau matos. Et acheter de nouvelles lumières. Parce que c'est dégueulasse. Et quant à moi, je vous retrouve normalement dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !